va reprendre le même exercice de passe à 10, mais on va mettre un défenseur dans chaque maison pour justement pour arriver à la dernière étape du match où il y aura un défenseur donc pour le toucher et se retourner pour faire la passe à son coéquipier. Alors, on repart sur l'exercice des petites maisons où on fait des passes. Sauf que là, on va compliquer. Avec des loups. Avec des loups, très bien Sean. Avec et un loup dans chaque maison. Non, t'as déjà été. Chut. Le loup, chut. Le loup ne doit pas empêcher de faire la passe. Il doit faire quoi? Il doit empêcher de passer, venir nous embêter. Bah tu peux gêner comme ça, mais tu peux pas taper sur le ballon. Au rugby, c'est interdit, d'accord? Donc si il veut faire une passe à son copain, je peux me mettre devant lui, le gêner, pour pas qu'il fasse sa passe. Par contre, s'il arrive à faire sa passe, ah, pas toi parce que t'es pas prêt, parce que tu joues avec ton chasuble. Par exemple, Augustin est prêt, il va faire la passe. Moi, si je veux plus qu'il continue à faire la passe, qu'est-ce que je fais? Je le bloque. Et moi, j'ai les mains prêtes. Et comment je le bloque? Avec les mains. En le touchant, d'accord? Dès qu'il est touché, s'ils en sont à 5, et ben ils repartent à 0. Ça marche? S'il est par terre, et bien on recommence. Et s'il est par terre, comme tout à l'heure, on recommence à 0. Sam, tu seras le loup chez les rouges, toi. Et... il était déjà? Samuel, il était déjà? Oui, il était. Non, c'était toi, le loup. Non, mais avec Samuel, c'était toi. Non, c'était toi et Alex. Moi, je suis aussi jaune. Moi, je suis jaune. Oui. Toi, tu seras loup dans la maison des rouges. Moi. Et toi, tu seras loup dans la maison des jaunes. En piste, Moussaillon. Donc, comme tout à l'heure, vous devez vous faire le plus de passes possible. On va commencer à... Sauf que là, vous avez vu, il y a qui au milieu? Le gros méchant loup qui va vous empêcher de faire des passes. Et comment tu les empêches, mon chat? Les toucher. En les touchant. Allez, tout le monde court. Allez, on court, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Allez, c'est parti. Un. Allez, perdu. Ouais, mais il avait déjà plus la balle. Allez, redonne-moi la balle. Oups. Allez, go. Un. Et non. On essaye de les attraper, c'est un trésor. C'est un corps, ça marche. On revient dans la maison, on revient dans la maison. Attention, je. Ouais, 0. Allez, fais ta passe. 1. 2. Touché, 0. Vite, vite, vite. Jouez-vous. 1. 2. 3. Ah, dommage. 3, c'est bien déjà. Maintenant, objectif, c'est combien? 4. Très bien. Allez. Ici, ici. 1. Touché, 0. Allez, jouez-vous, jouez-vous. 0. 1. Touché. 1. 2. 3. Oui, super. Touché. Vous avez vu comment on arrive à que le loup il sache pas où il faut aller? Bah on fait de plus haut. Pour... Non, c'est que dès que j'ai le ballon, qu'est-ce que je fais vite? Et je fais la passe parce que le temps que Sam il vienne sur Sean, hop, s'il fait sa passe à Baptiste qui doit être pris et pas se manger les doigts, bah le loup il sait plus trop où aller. Donc plus on joue vite, plus le loup il sait pas. C'est comme si c'était un loup et qu'il était débile. Ok, pardon? T'as dit quoi? T'as dit une bêtise, je crois. Moi je veux pas entendre ces mots ici, hein. On est d'accord? Je. Tu vois, il faut toujours être. Être quoi? Être prêt. Est-ce que t'es prêt, chouchou là? Non. Allez, montre-moi que t'es prêt. Je.